Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent au travers de la planète Terre. Que Dieu continue à vous garder, à vous bénir puissamment sous son aile merveilleuse. Et nous allons donc lire la parole de Dieu maintenant, et dans le livre de Ruth, au premier chapitre. Et le titre de ce message s'intitule « Ton Dieu sera mon Dieu ».« Ton Dieu sera mon Dieu ». Livre de Ruth, premier chapitre, et nous lisons à partir du verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple, les Moabites, peuple païen, et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Et Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour la lecture du texte sacré. Nous te demandons, Seigneur, que ce message puisse nous interroger puissamment, nous sonder puissamment quant à notre consécration envers toi. Nous qui vivons dans les jours de la fin, nous te demandons que nous puissions être avisés, que nous puissions être sages. Nous ne voulons pas faire partie des fous ou des folles, mais nous voulons, Seigneur, faire partie du groupe de la sagesse divine. Aide-nous à comprendre. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour établir des ponts. Nous sommes là pour élever des murs. Le mur de la sanctification et de la séparation d'avec le mal et le péché. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit... Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Il y a là identification de la païenne Ruth au peuple du Seigneur. Vous savez que dans nos églises, nous avons l'habitude de faire des appels, parfois les gens sont malades, ont besoin de guérison, parfois c'est un appel à être sauvé, un appel au salut, un appel à venir déposer nos péchés aux pieds du Seigneur. On peut dire que Ruth a levé la main, à l'appel, elle a levé la main, elle a dit oui. Je veux suivre le Seigneur. Elle est venue en avant, on peut dire. Et vous savez que dans nos réunions d'évangélisation traditionnelles, on pose la question, qui veut aujourd'hui se décider à suivre Jésus? Qui décide de prendre Jésus comme sauveur? Ou encore, le prédicateur va lancer une autre question. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui veut donner sa vie entière à Jésus-Christ? Qu'il lève la main. Et là, donc, c'est un instant particulier où la personne, donc, est agitée par le Saint-Esprit. Il y a un mouvement du Saint-Esprit dans le cœur de cette personne. C'est très, très émouvant. C'est très émouvant. Le pécheur se lève de sa chaise, a levé sa main, vient possiblement en avant au banc des pénitents pour se repentir. C'est un acte courageux qui va marquer, je dirais, sa décision intérieure. C'est un engagement
un engagement. Tel que je suis, sans absolument rien à moi, sinon ton sang qui a été versé pour moi, à ta voix, Seigneur, qui m'appelle, je viens, je viens. C'est ce qui se passe dans le cœur de cette personne. Nous chantons un petit cœur, « Je m'engage envers l'agneau de Dieu, avec toute ma force et de toute mon âme. » Et nous chantons ces commandements, « J'honorerai ». C'est un engagement. « Je m'engage envers l'agneau de Dieu. » L'agneau qui fut meurtri, qui à la croix a pris ma place. Oui, ces commandements, j'honorerai, je m'engage. Je m'engage. C'est un engagement. Du temps des grands hommes de Dieu, comme D.L. Moody ou Finney, quelqu'un qui s'est décidé à suivre le Seigneur, qui répondait à l'appel en levant sa main, se rendait ensuite dans une autre salle pour y recevoir les premiers rudiments de la vie chrétienne. Pendant que l'auditoire s'en allait, du côté anglophone, on appelait cela « inquiry room ». Cela veut dire la salle où où on peut poser des questions. C'est nouveau, ayant levé la main, ayant dit « oui, je veux suivre le Seigneur », évidemment, donc il y avait un paquet de questions, et là, donc, des gens, je dirais, mûrs, donc, préparés, pouvaient répondre à leurs questions. On les éclairait sur le geste qu'ils avaient fait, ce pas décisif, et on répondait à leurs questions. On leur présentait la parole de Dieu, les Écritures, on leur disait « voilà ce que la Bible donc enseigne », et on priait pour eux parce qu'ils avaient décidé. Ils avaient levé la main et ils voulaient s'engager sur ce chemin nouveau. Donc on les aidait dans leur premier pas. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? C'est que penchés du haut des balcons du ciel, les anges plongent leur regard, le ciel entier est ému, et Jésus a dit, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 disant ne pas avoir besoin de se repentir. Le ciel entier est ému lorsque quelqu'un se donne au Seigneur Jésus. Le ciel entier a été ému lorsque toi-même, tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ. Il faut le savoir, il faut se le rappeler. Cette heure, ce moment, cet instant où le Père, depuis le seuil de la maison, a posé ses regards là-bas, au loin, sur la route, au milieu de la poussière, et là-bas, il a vu une silhouette qui s'avançait, peut-être en trébuchant, peut-être en boitant, comme la silhouette du fils prodigue, attendu depuis si longtemps. La Bible dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Alléluia. Quand j'ai été sauvé, le ciel m'a regardé à l'arrière de mon navire. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Quand tu as été sauvé, les anges sont réjouis devant le trône de Dieu. Un de plus, une de plus, est entré dans la gloire éternelle. Et ce matin, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux femmes qui sont en train de vivre cette heure solennelle. Et il n'y avait pas là de prédicateur sur le chemin. Il n'y avait pas de vaste auditoire, absolument pas, mais ces deux femmes, Naomi et Ruth, se sont arrêtées au bord de l'une des routes poussiéreuses qui menaient vers le fleuve du Jourdain, depuis là-bas à l'est, les plateaux de Moab. Deux femmes qui ont vécu ce moment solennel qui va marquer littéralement à jamais une destinée, celle d'une femme moabite appelée Ruth.
Et là, alors qu'il y a embranchement peut-être de chemin, les deux femmes s'arrêtent. Et Naomi pose la question à Ruth. « Ne voudrais-tu pas maintenant retourner à Moab, là-bas, comme ta belle-sœur ? Ne veux-tu pas retourner comme ta belle-sœur ? Ta belle-sœur est sortie de Moab, mais pas très loin, elle est retournée. Elle a décidé de retourner à son monde païen, de retourner à son monde d'idolâtrie, de se prosterner devant le dieu Moloch. Elle a décidé, elle a fait son choix. Et toi, Ruth, retourne, toi aussi, tu peux y aller. » Et elle va, Naomi, la vieille dame, va la tester, va l'éprouver. Retourne comme ta belle-sœur. Et le verbe retourner revient 6 fois dans un court passage du verset 6 jusqu'au verset 16. C'est très important. Nous pouvons retourner dans le monde quand nous voulons. Mais si nous avons pris une décision éclairée, sage, non pas sous le coup uniquement de l'émotion, nous allons continuer notre chemin vers la maison du pain, Bethléem. Alléluia. Et donc, à voix haute, Ruth, la Moabite, va prononcer un vœu, une promesse qui va déterminer tout le reste de sa vie. Elle va renoncer totalement à son peuple, à ses dieux, à ses statues, à cette adoration diabolique, et elle va confesser ouvertement le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Elle a avant elle une femme qui a accompli un peu la même chose, une prostituée professionnelle à Jéricho, Rahab. Croirions-nous que dans les héros et les héroïnes de la foi, il y a une femme comme Rahab, une prostituée professionnelle qui a reconnu le Dieu d'Israël et qui s'est convertie. Alléluia. Son nom est écrit dans le couloir de Hébreux 11, les héros de la foi, où il est dit que Rahab, par la foi, a reçu les espions qui venaient pour voir avant la destruction de Jéricho. Évidemment, les espions n'ont pas couché avec elle, mais elle a dit « Je sais que l'Éternel a décidé la destruction de la ville où je suis. » Elle les a couverts, elle les a cachés. Et ensuite, elle a cru. Elle a regardé au loin du haut de sa maison. La fenêtre était sur la muraille de Jéricho. Et elle a vu là-bas au loin les armées d'Israël qui n'avaient pas passé le Jourdain. Et les yeux embués de pleurs, elle a remis sa vie entre les mains du Dieu d'Israël. Chers amis, la grâce de Dieu coule au travers de toutes les pages de la parole de Dieu. Nous parlons de Rahab qui est au ciel. Nous parlons d'une Moabite, Ruth, qui a été sauvée et qui a décidé de quitter son pays païen, Moab. Et elle a prononcé un vœu à haute voix qui a déterminé le reste de sa vie. Elle a renoncé totalement à son peuple païen et à ses dieux. Elle a dit à sa belle-mère Naomi, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple, le peuple de Dieu, sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Mon est un pronom possessif dans la grammaire française. Ça veut dire que cette femme, Ruth, a décidé que Dieu
lui appartiendrait personnellement et que c'est lui qui était le vrai Dieu et qu'elle allait le servir jusqu'à la mort. Mais que savait-elle du Dieu d'Israël ? Ce Dieu trois fois saint, ce Dieu unique qui n'accepte aucun autre Dieu autour de lui. Que connaît-elle de la parole de Dieu ? Ce Dieu qui parle, ce Dieu qui se manifeste, ce Dieu qui ouvre des mers, ce Dieu qui coupe des Jourdains, ce Dieu tout-puissant. Et ceux qui auraient dû l'instruire sur le Seigneur, son mari, qui lui était un des fils de Naomi, qui connaissait l'Éternel et qui était décédé maintenant. Et donc, c'est lui qui aurait dû instruire son épouse sur le Dieu d'Abraham, lui faire aimer le Dieu d'Abraham, à qui il s'était révélé. Mais nous voyons que les deux fils de Naomi n'avaient donné aucun témoignage du Dieu d'Israël. Elles ne savaient rien. Ou si témoignage il y avait, c'était un témoignage misérable, un témoignage piteux de désobéissance. Et il n'y avait au travers de toute la chose que Naomi, une seule personne. Pourquoi ? Parce que Naomi était l'épouse d'un homme. Et cet homme a été incrédule au moment de l'épreuve. Lorsqu'il y a eu à Bethléem et la région une famine, il a décidé, toc, on s'en va vers le pays païen. Et comme épouse, Naomi ne pouvait pas dire grand-chose. Il fallait qu'elle suive. Et ils sont allés s'installer et sont restés 10 ans en pays étranger, pays païen, totalement à Moab. Et là-bas, il n'est arrivé que peine et misère. Le mari de Naomi est mort. Le mari de Orpa, une des belles-filles, est mort. Et le mari de Ruth est mort. Juste des morts. C'est le pays de la mort. Le pays des païens, le pays de l'incrédulité, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons besoin de savoir qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut apporter du bonheur, de la joie, de la paix. Continue à aller dans le monde, dans les manières du monde, et tu n'auras que la mort au bout du chemin. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, on voit que uniquement Naomi, la belle-mère, Naomi a compris. Et elle a été un exemple pour convaincre Ruth de la vérité. Et Naomi lui a parlé de son Dieu. Naomi lui a parlé de la loi de son Dieu. Comment ce Dieu fonctionne, comment ce Dieu agit, et particulièrement par une loi qui s'appelait la loi du rachat. La loi du rachat en Israël. Et plus tard, Ruth va dire, « Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. » Pourquoi Ruth a-t-elle déclaré cela ? Parce que le témoignage de la belle maman était puissant. Elle savait que cette femme, Naomi, disait vrai. Ce n'était pas du fake. Ce n'était pas de la religion du dimanche matin. Ce n'était pas uniquement « Je te chante, Seigneur, je t'aime » et puis ensuite, sur le trottoir, marcher avec Satan. Ah non, 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 non. Le témoignage de Naomi était puissant et Ruth a été attirée par cet aimant, le témoignage. Ruth a placé tout son être entier en jeu. Si vous voulez que les gens viennent au Seigneur, il va falloir que votre témoignage ne soit pas à peu près. Parce qu'ils vont vous regarder à la loupe. Et s'il y a des traces de Moab dans votre vie, s'il y a des traces païennes, personne ne veut venir vers Jésus-Christ. C'est la différence qui les attire. Pas être pareil. Nous ne sommes pas parallèles au monde.
Nous sommes opposés au monde. Nous sommes contre le monde. Un jour, un des amis de Martin Luther, le grand réformateur allemand, un de ses amis lui a dit, hey, « Hé, Luther, mais le monde entier est contre toi !» Et Luther a dit, « Va leur dire que je suis moi contre le monde entier. » Alléluia ! Vous serez haïs de tous, a dit Jésus. Il faut savoir les conditions. On ne peut pas essayer de flatter un peu le monde. Non, il marche avec Satan. Tu as un ennemi féroce, un ennemi qui te hait littéralement, qui veut te voir en enfer. Il veut t'emmener et il va essayer de t'emmener, même si tu es assis dans une église. Ruth s'est engagée à fond par cet acte, je dirais, de décision personnelle. Elle a décidé par une illumination intérieure. Elle a vu la lumière. Elle a compris et elle a saisi que c'était là la voie à suivre. Il n'y avait pas d'autre alternative. Ruth, retourne. Regarde ta belle-fille. Elle vient de s'en aller, elle est peut-être là-bas au bout du chemin. Là. Retourne, toi aussi. Naomi l'a testée. Et Ruth a dit non. No way, pas question. Je vais rester avec toi. Tu as la vérité. La vérité existe et tu l'as. Ton Dieu est le vrai Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu. Les dieux païens n'ouvrent pas des mers. Les dieux païens ne font pas tomber les Jéricho. Les dieux païens n'arrêtent pas le Jourdain sur 3 kilomètres pour que tout le peuple d'Israël puisse marcher à sec. Notre Dieu est tout puissant. Donc, on vient de dévoiler à Ruth l'enseignement de la parole de Dieu. Et Ruth a accepté tout en bloc. Tout en bloc, sans rien demander, sans aucune question. Oui, prends tout, Seigneur. C'est ce qu'elle a dit. Et nous le chantons. Et si vous êtes sauvés, il y a cela qui est dans votre cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Sauf, non. Vous ne pouvez pas dire sauf. Impossible. Abraham, tu sais le fils que tu as attendu. Tu as plus de 100 ans. Tu l'as attendu longtemps. Ce fils que tu aimes, tu vas me le donner. Tu vas aller le tuer et le sacrifier. Tu vas verser son sang sur la montagne que je vais te dire. Y a-t-il eu un test, une épreuve plus grande que celle d'Abraham? Celui que tu aimes, tu vas me le donner. Et à la fin de l'épreuve, Abraham, je sais que tu me crains. Dieu veut savoir. Il veut savoir jusqu'à quel point nous sommes prêts à le suivre. Es-tu prêt à le suivre jusqu'à la frontière de Moab ou entre Moab et Israël, un petit peu désertique, ou bien jusqu'à la maison du pain, à Bethléem? Jusqu'à quel point es-tu prêt à le suivre? Peux-tu dire entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien? Ne permets à personne d'en reprendre rien. Prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. C'est ce que Ruth a dit dans sa décision. Elle a accepté. C'est Naomi, la belle-maman, qui a remporté cette grande victoire, sans même s'en douter. Dans l'aveu, dans la confession de Ruth, c'est Naomi qui est au centre, la belle-maman. C'est elle qui a été la lumière pour la païenne Ruth. C'est elle qui a parlé, c'est elle qui a été un exemple. Et on voit que Naomi est l'armature, ce qui tient cette décision de Ruth. La puissance du témoignage. La puissance du témoignage. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre. Le sel donne du goût.
Et les chrétiens donnent du goût ici-bas sur terre. Nous devrions attirer les gens vers notre plat salé. Hallelujah. Et ils goûtent les poubelles de ce monde. Nous, nous avons un plat délicieux. Hallelujah. Parce que nous sommes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ne cache pas ta lumière. C'est le temps actuellement, maintenant, plus que jamais, de montrer ta lumière, ta joie, ta paix. Les païens, qu'est-ce qu'ils montrent? Leur désarroi, leur peur, tout ça. Si tu es comme eux, où est ta lumière? Où est ton exemple? Penses-tu qu'ils vont venir vers toi? Tu es comme eux. Penses-tu qu'ils vont venir au Seigneur? Non. Ne cache pas ta lumière. La puissance du témoignage, le comportement de tous les jours, la constance dans l'épreuve, la fidélité dans nos affections, les vœux qu'on a posés dans nos mariages, notre repentance, s'il le faut, au moment venu, notre ardeur à rompre, à casser avec tout ce qui est faux, sale et impur dans notre vie. Je ne veux pas être en communion avec les démons. Sacrifier s'il le faut parfois. Ça veut dire mettre de côté la tendresse que Naomi avait envers ses belles-filles. Elle était prête pour suivre le Seigneur, retourner à Bethléem, laisser ses deux belles-filles de côté. Jésus a dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, sa fille, son enfant, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. Ça veut dire que nos affections doivent passer en deuxième et Christ en premier. En premier, absolument. Obéir à Dieu. Ruth a dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser. Ça veut dire, ne me pousse pas à me séparer de toi. Mais Naomi l'a testé. Tu peux t'en aller, Ruth, vas-y. Regarde ta belle-sœur. Elle est retournée, elle. Oui. En réalité, Ruth a déclaré à sa belle-mère, « C'est toi qui m'as conduit à la vérité et je veux te garder comme guide. Je veux rester à côté de toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, ton pays sera mon pays. Je veux marcher dans tes voies parce que je sais que Dieu est là avec toi. » Même les païens reconnaissent que Dieu est avec nous. Rappelez-vous Potiphar, il a dit à Joseph en Égypte, « Je sais que Dieu est avec toi. » Je le vois. Ça se voyait dans les actions, dans la production, dans le travail qu'il faisait, dans la bénédiction que Dieu déversait sur Joseph et le travail qu'il accomplissait pour son patron. Naomi représente l'Église. Naomi représente l'Église. C'est l'Église qui possède le trésor de la parole de Dieu inspirée. C'est Naomi et l'Église qui avaient la révélation. Nous en sommes les dépositaires. Nous connaissons le véritable Dieu, les choses éternelles, la ville céleste qui nous attend, la mort que nous ne craignons plus. La joie qui est dans notre cœur. Nous sommes prêts à verser notre sang pour lutter contre le péché. J'écoutais hier Radio-Canada à la radio et il disait que le Québec est le premier pays au monde, la première province au monde où l'on peut être aidé à mourir. C'est nous qui avons le record. Quelle ténèbre, quel Moab, quelle obscurité. Nous sommes passés devant l'Europe, devant la France, devant les Pays-Bas, devant la Belgique. Les gens courent pour avoir la piqûre, l'aide à mourir, alors qu'ils descendent dans l'enfer éternel. C'est abominable. Ils sont comme au-dessus d'une falaise avec une planche pourrie. Toc! Et la piqûre les fait descendre.
L'Église garde et transmet aux païens la parole de Dieu, les vérités éternelles de tous les siècles. Nous ne sommes pas ni modernes, ni arriérés. Nous sommes à l'heure de la parole de Dieu. Nous sommes en train d'apporter le message de l'éternité. Nous transmettons aux païens la parole de Dieu. Et il y a des païens religieux assis dans les églises. Ils ne sont pas sauvés. Leurs fruits démontrent qu'ils sont des païens religieux, recouverts d'une couverture religieuse. Et l'âme de Ruth, finalement, vient de découvrir un refuge sur la terre. Elle découvre une garantie de sécurité. Elle a saisi la vérité. Nous avons la vérité. Nous sommes dans la vérité. Nous devons parler aux païens dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance et que revenus à leur bon sens, ils se détournent de leurs péchés pour marcher dans la vérité. 2 Timothée chapitre 2. Ruth a passé de la solitude à la plénitude par sa décision. Par sa décision. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Qu'est-ce que Jésus a dit? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous allez me suivre. Si vous dites, Seigneur, où tu demeures, je veux demeurer. Vous le verrez. Vous y serez. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Jésus a dit, là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. L'obéissance. C'est la même expérience qu'Israël a fait dans le désert. Il a dit que l'Éternel allait devant eux. L'Éternel allait devant eux, marchait devant eux. Il les conduisait. Il y avait la nuit une colonne de feu, de flamme, qui montait dans les airs en crépitant. La gloire de Dieu, la gloire Shekinah, l'étoile d'Israël. Et dans la journée, cela se transformait en un nuage d'une beauté éclatante, d'une luminosité formidable. L'Éternel allait devant eux, marchait devant eux. Lorsque Josué ne savait pas comment 2 millions, 3 millions de personnes qu'il avait derrière lui allaient entrer dans la terre promise, comment faire? Dieu lui a montré l'arche de l'Alliance. Ma présence passera devant vous. Et lorsque les sacrificateurs, en portant l'arche de l'Alliance, poseront leurs pieds dans l'eau du Jourdain, je vais faire quelque chose. Je vais arrêter les eaux. Elles vont se répandre au nord, à 40 à 50 kilomètres au nord, et en bas, tout sera sec. Les eaux n'iront plus vers la mer morte. Et quand les sacrificateurs ont posé le pied dans l'eau, soudain, une muraille d'environ 10 mètres de hauteur s'est placée là. Et les eaux ont été barrées par une main invisible sur 3 kilomètres. Et la Bible dit que le peuple a passé à la hâte. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Et nous allons passer un jour de la terre au ciel à la hâte, par la puissance de Dieu qui va nous enlever de la planète Terre pour nous faire monter là-haut dans les cieux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. On va lire un passage dans Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9.
Nombre, chapitre 9. Nombre, chapitre 9, verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle. Ici, on ne parle pas du tabernacle de l'Église catholique, la petite boîte. On parle d'une tente, donc, qui était dans le désert lors des pérégrinations d'Israël. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. Tout le temps, c'était comme ça. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, pliaient bagages. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. C'est la nuée qui les conduisait, représentant Dieu, le Saint-Esprit. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. À Haïti, si vous allez sur les routes, les panneaux de signalisation, stop, vous voyez, c'est marqué « campez là ». Ça veut dire « arrête-toi là ». Et ici, les enfants d'Israël campaient là, s'arrêtaient, stoppaient, quand la nuée ne bougeait plus. C'est là qu'ils devaient camper. Et ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour ou une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours ou un mois ou un an, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient pas. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Vous avez remarqué dans ce passage des répétitions. Hein? Et les répétitions sont voulues. Elles sont voulues. Ce sont des précisions voulues qui sont notées là. On aimerait répondre à pendant la lecture, « Ok, pasteur, ça va, on a compris, ok. » Mais c'est parce que le texte veut vraiment nous enfoncer l'idée dans la tête qu'il fallait obéir, que ce soit une journée ou un an, il fallait suivre absolument la direction de Dieu. Et Ruth est arrivée à découvrir le sens profond de cet esprit d'obéissance. Pour les anciens, pour les Israélites, c'était qui le conducteur ? Moïse. Pour Ruth, qui a été le conducteur ? Ça a été une conductrice, Naomi. Où tu iras, j'irai. Pour nous, c'est qui ? Qui nous conduit ? Jésus. Jésus. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Suivez-moi. Désormais, Seigneur, je m'en remets à toi parce que c'est toi qui me montres le chemin. Hé, Paul, entre dans la ville, à Damas, on va te dire ce que tu devras faire. Oui, mais je veux savoir ce que... Dis-moi tout de suite. Non, entre dans la ville. Et ensuite, on te dira ce que tu devras faire. Avec Dieu, nous ne vont pas poser toujours des questions comment, pourquoi, putain, non, laissons faire, obéissons. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais pasteur, ça n'existe pas, toute la vérité. Vous êtes orgueilleux, vous dites, vous avez toute la vérité. Yes! Oh yes! Mille fois, oui. Jésus a dit, je suis la vérité. Aujourd'hui, on a peur, parce que les païens de Moab veulent nous dire que ça n'existe pas, toute la vérité. Oui, nous connaissons la vérité.
Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, suivez-moi, je vous conduirai au bon endroit. Alléluia, gloire à Dieu. Hé Philippe, lève-toi, il faut que tu quittes ce réveil spirituel, faut que tu t'en ailles sur un chemin qui est désert. N'a pas posé de questions. Et là est arrivé un homme qui a été sauvé, baptisé dans l'eau, et a été une influence sur tout un pays, l'Éthiopie en Afrique. Alléluia. Merci Seigneur. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je vais te conseiller. J'aurai le regard sur toi. Écoute bien ce que Dieu est en train de te dire. Je vais t'instruire. J'ai besoin d'instruction. Certainement. Je vais te montrer le chemin que tu dois suivre. Il y en a un seul. Il faut que tu le suives. Tu le dois le suivre. Je vais te le montrer. Je vais te conseiller parce que j'aurai le regard sur toi. Ruth a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. La simplicité des mots. Ton peuple sera mon peuple. Ça brille d'une intensité éclatante de révélation. Elle a la révélation. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Dans le psaume 45, on a la puissance spirituelle de cette phrase-là, où le Seigneur va dire, écoute ma fille, vois et prête l'oreille, écoute bien, oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie ton peuple. Quel peuple? Le peuple païen. Le peuple incrédule. Le peuple impur. Le peuple sale. Le peuple LGBT. Le peuple homosexuel. Oublie tout cela. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Qui est ton père? Qui était ton père? Vous avez pour père Satan, a dit Jésus à des gens religieux. Hey, pensez-vous qu'ils l'ont aimé? Dire la vérité ne nous amène pas spécialement d'être appréciés. On ne cherche pas à être appréciés des hommes. Nous sommes dans les troupes de combat, nous sommes dans les troupes de choc. Et il faut savoir dire la vérité, confronter avec le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit et le casque du salut l'ennemi qui raconte des mensonges. Oublie ton peuple païen et la maison de ton père, Satan. Oublie ça. Oublie ça. Jésus dit, je ne suis pas venu mettre la paix, je suis venu mettre la division. La division dans une famille entre un père incrédule et une mère qui est croyante. Je vais mettre la division entre la belle-fille, le beau-père. Hein, pourquoi? À cause de la façon avec laquelle nous croyons en Jésus. Nous ne lâcherons pas. Nous n'abandonnerons pas. Jusqu'à la mort, nous serons fidèles, Seigneur. Donc, qu'ils essayent ce qu'ils veulent, même les liens familiaux ne peuvent pas résister devant la foi biblique parce qu'il y a trop de choses qui sont en jeu. Notre éternité! Notre éternité! J'ai entendu la dernière prière de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Jésus a dit, Père, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Vis-à-vis de notre ancienne patrie, nous ne sommes plus concitoyens de ces gens-là. C'est terminé. Nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus des étrangers et des voyageurs sur la terre. On a commencé à prendre nos valises. Alors, qu'on habite au sud de l'Afrique ou au nord du Canada, ça n'a aucune importance. Qu'il fasse froid, qu'il gèle, qu'il fasse chaud, ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'on s'en va vers la gloire éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes devenus des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous n'avons pas de cité permanente. Il n'y a que les femmes qui ont des permanentes. Nous n'avons pas de ville permanente. Amen. Et les femmes doivent refaire les permanentes parce qu'elles ne sont pas permanentes.
Nous sommes devenus des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Notre cité à nous, moi j'aime à nous, notre cité à nous, elle est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus, qui transformera, alléluia, qui va métamorphoser le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Abraham attendait une ville. Attendait une ville. Poids est reparti vers Moab. Poids est reparti. Tandis que Ruth s'en allait vers la ville sainte. En réalité, la nouvelle Jérusalem. Et là, Jean nous en donne, alléluia, un aperçu, la muraille construite de jaspe, la ville d'or pur, un or transparent, alléluia, semblable à du verre pur. À du verre pur, on voit au travers du verre quand il est pur. Cette ville là-haut, on n'a jamais vu une chose semblable sur la terre. Les fondements, la fondation de la muraille de la ville était ornée de pierres précieuses, toutes espèces. Premier fondement de jaspe, de saphir, de chalcédoine, d'émeraude, de sardonyx, de sardoine. Alors, imaginez, 12 portes autour de la ville, une ville immense, 2200 km de long, de large et de haut. Imaginez. Et les portes sont d'une seule perle. Ici-bas sur la terre, si vous regardez la couronne de la reine d'Angleterre, la plus grosse perle au monde, à peu près comme ça. So what? Là-haut, dans la gloire, des portes d'une seule perle. On n'a encore jamais rien vu de semblable, mon frère, ma soeur. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Hallelujah. La patrie nouvelle de Ruth était celle de Dieu. Par la foi, Abraham, lors de son appel, a obéi et il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Et par la foi, il est venu s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Et ceux qui parlent ainsi parlent le langage de la foi parce que Dieu leur a préparé une ville. Dieu leur a préparé une ville. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Alléluia. Chers amis, c'est la même démarche que Ruth a faite par la foi. Elle est partie par la foi. Nous marchons par la foi maintenant. Nous avons commencé le voyage par la foi. Le jour où on a levé la main, oui, je veux accepter le Seigneur. Et nous allons continuer par la foi. Et nous partirons de la terre par la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. Ruth va devenir une fille d'Abraham, elle va faire comme lui. Il l'a fait sans savoir où il allait, et elle aussi, sans savoir vraiment ce qui allait lui arriver. Alléluia. Elle est entrée dans le hall des héros, des héroïnes de la foi. Elle est entrée dans la cohorte de ceux et celles qui avancent sur la voie royale et qui aboutit aux portes de la Jérusalem céleste. Elle va entrer dans le peuple de Dieu. Mon frère, ma sœur, le jour où tu as levé la main, où tu as dit Jésus, oui, viens dans mon cœur, tu es entré dans le peuple de Dieu. Tu fais partie du peuple du Seigneur. Alléluia. Ruth s'est engagée de façon résolue. Alléluia. Et elle s'est destinée, à cause de sa foi, à un glorieux épanouissement. Connaissez-vous la mère de David? Non. Connaissez-vous la grand-mère de David? Non. C'est Ruth. Ah, c'est Ruth. Imaginez,
Et lorsque vous avez dans Matthieu, premier chapitre, la généalogie de Jésus-Christ, qui prouve, parce que pour les Juifs, il était très important de prouver sa généalogie, d'où on vient. La plupart ici, vous venez soit d'Afrique, soit de vos îles, soit de France, vos ancêtres, ainsi de suite. Et du temps d'Israël, il était très important de savoir, d'avoir un rôle de généalogie. D'où on vient ? Qui était ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, et ainsi de suite. Et si vous lisez la généalogie de Jésus, Matthieu, premier chapitre, vous verrez Ruth. Elle est là. Elle est inscrite pour l'éternité dans la généalogie de Jésus-Christ, la Moabite, la païenne qui adorait les idoles et qui un jour a dit « Naomi, je veux te suivre. Quoi qu'il arrive, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Alléluia. Dieu a dit « J'honorerai ceux qui m'honorent. » Comment pouvons-nous honorer Dieu sinon par la foi ? Notre foi. As-tu la foi ? Sont dans nos cœurs ? Sommes-nous dans la foi ? Ou sommes-nous dans l'incrédulité ? Elle a dit, Ruth, à Naomi, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. La puissance du Saint-Esprit, c'est cette puissance qui a poussé Ruth, je dirais, à comme s'emporter vers Naomi. Hey, hey, Naomi, arrête, arrête de me pousser. Je veux te suivre. Naomi l'a testé. Va-t'en, va-t'en, tu peux retourner. Retourne dans le monde, t'as le temps. Et nous avons le temps, nous aussi, de retourner vers le monde. Retourner vers les païens, retourner vers le bar, un petit drink. Hein, retourner vers la porno, retourner vers ceci et cela. Tout cela, c'est Moab. C'est l'adoration des démons. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Ruth a discerné par le Saint-Esprit des horizons sans fin. Les horizons de l'amour de Dieu. Elle a déclaré de façon très solennelle dans son engagement, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si. Paul a dit la même chose. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie me séparera de l'amour de Christ qui a été démontré visiblement à la croix du calvaire. Si autre chose que la mort, rien ne pourra nous séparer de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons voyagé suffisamment longtemps, c'est plus le temps maintenant de retourner. On va de l'avant. On va vers la maison du pain. Alléluia. Merci Seigneur. Non, rien ne peut me séparer. Alors Naomi, la voyant décidée, il va falloir que tu sois décidé, pas chambranlant, pas à peu près, voyez. Décidé. Quand le prof en avant va te dire, nous descendons d'un singe, on a beaucoup évolué depuis 28 milliards d'années. Il va falloir que dans ton cœur tu sois décidé à dire, monsieur, c'est faux, c'est un mensonge complet. Être décidé. Naomi la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Elle a compris. Ok, viens. Et elles firent ensemble le voyage jusqu'à Bethléem. Et nous allons faire ensemble le voyage jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Baissons nos têtes et prions. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions. Père, nous sommes décidés et nous voulons persévérer. Nous pourrions retourner vers le monde, nous pourrions retourner vers les païens, nous pourrions rétrograder, mais nous ne voulons pas de cela. Nous voulons faire partie de la famille de Dieu décidée jusqu'à la fin. Merci Seigneur pour ceux qui nous ont précédés. Merci pour ta grâce et ta puissance. Merci pour la grand-mère du premier roi d'Israël, David.
Merci, Seigneur, pour Ruth. Quel exemple! Seigneur, tu as permis qu'elle soit inscrite, incrustée dans ta généalogie royale. Merci, Jésus. Merci, Père. Au nom du Sauveur, amen et amen. Et tout le peuple dit, amen. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.